Salut, alors d'où viennent mes reptiles? Alors, Latahomère, Pantherophus potatus. Donc lui provient de chez Bébézorus. Donc c'est mon premier serpent que j'ai eu. Donc là maintenant il est bien gros. Mon deuxième reptile, alors c'est Caramel, donc Pantherophus potatus albinos. Donc celui-là vient d'un particulier sur le bon coin. Donc la personne qui l'avait l'a revendu car le serpent l'avait mordu et donc la personne avait peur de s'en occuper après. Au début quand je l'ai récupéré il était un peu agressif et maintenant comme tu peux le voir il est doux comme un agneau. Après mon troisième reptile c'est Big Mac, donc j'ai Coléopard. Donc alors lui c'est la star de TikTok. Il vient de chez la personne qui m'a vendu le serpent. Donc au départ, quand j'avais pris le serpent, je savais que la personne avait des geckos, donc j'avais demandé pour voir. Et j'ai craqué. Donc j'ai pas craqué pour un, j'ai craqué pour trois. Donc en même temps d'avoir pris Big Mac, j'ai pris Jérôme, donc son grand frère. Donc au départ, ils étaient dans le même terrain, mais de base c'était des femelles. Mais la personne s'est trompée sur le sexe. Donc ils étaient dans le même terrarium pendant quelques mois. Donc cinquième reptile, donc là c'est Ronflex. Donc encore le grand frère de Big Mac et le petit frère de Jérôme. Donc lui aussi je l'ai pris, tu vois, il m'a fait un petit clin d'œil, il m'a dit prends-moi, et moi je l'ai acheté. Sixième reptile, donc le Python Régis, mais moi je l'appelle plutôt Python Royal. Donc c'est Lily. Donc je l'ai acheté en animalerie à Reims. Mais le serpent provient de la ferme tropicale de base. C'est le mec qui me l'a dit, vu qu'on a parlé pendant 1 heure et demie. C'était très cool. Donc de base, on ne devait pas la prendre. Et on a parlé pendant 1 heure et demie avec celui qui s'occupait des reptiles. Et après, on a craqué. J'ai craqué. Donc je l'ai pris. Point positif quand même, c'est qu'ils vendent pas n'importe qui quand même. Il y a certains en particulier. Sur mon coin qui vend à n'importe qui, et là, parfait. Septième, donc l'escargot géant d'Afrique. Donc j'en ai pris deux, je les ai eu sur le bon coin. La personne s'en débarrassait, entre guillemets, qu'elle les donnait, mais j'ai payé plus de 10 euros de frais de port, vu que c'est des gros bébés. Et donc là, ils ont fait beaucoup d'enfants. Voilà.